Bonjour à toutes et à tous. Après une vidéo très salée la semaine dernière, je vous rassure, la vidéo de cette semaine sera beaucoup moins salée. Je suis juste agacé, mais pas énervé. Disons que j'ai quand même passé un bon moment devant le film dont on va chroniquer aujourd'hui, mais c'est pas forcément un chef-d'œuvre, et il y a beaucoup d'erreurs. Bon, je veux bien croire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans beaucoup de films de l'humanité, c'est pas le problème. Mais là, quand même, on parle d'une adaptation très connue de manière internationale, et puis même, c'est quand même quelque chose qui existe depuis plus de 25 ans. Et se planter pareil, c'est un petit peu étrange. Surtout venant du studio qui possède la licence en elle-même. Je comprends pas moi-même, donc bon. Aujourd'hui, nous, mesdames et messieurs, nous allons parler donc de... Alors, je précise, hein, on parle de films, pas des jeux. Même si le cas des jeux, on y reviendra dans la partie, mon avis. Mais bon. Alors, j'ai hésité à faire une partie histoire. Finalement, je vais quand même en faire une, mais je vais réduire au strict minimum, parce que bon, j'ai un peu peur de spoiler. Même s'il n'y a pas grand-chose à spoiler d'une certaine manière. Parce que comme c'est basé sur un contexte historique, on va y venir. Passons à la partie histoire. Déjà, il faut savoir une chose importante. Ce n'est pas l'adaptation de jeux Gran Turismo. Hein, pour faire simple, hein, des jeux Gran Turismo, j'en ai plein. Hein, je connais un petit peu la franchise. Mais là, ce n'est pas l'adaptation des jeux Gran Turismo. Alors, on en parlera dans la partie suivante, parce que techniquement, il y aurait de la matière à faire une histoire originale et de créer un scénario en trois actes, etc., etc. On en parlera dans la deuxième partie, enfin dans la prochaine partie. En fait, le film est l'adaptation de ce qu'on appelait la GT Academy, la Gran Turismo Academy. Le principe, c'est que c'était un projet mis en place par Sony et Polyphony Digital en collaboration avec Nissan, et c'était de chercher des joueurs ou des joueuses qui allaient devenir les nouveaux pilotes de demain. Alors, on en parlera un peu plus dans la partie de mon avis, parce qu'il faut que je remette le contexte, mais là je parle du film, pas du contexte autour. Le film va centraliser du coup beaucoup plus son attention sur Ian Mardenborough, qui est du coup le personnage central de cette histoire au niveau film, donc, et son parcours, ainsi que accompagné par deux autres personnes, le shérif Hopper et Legolas. J'ai oublié leur nom, je m'en bats les couilles, honnêtement, je vous avoue, tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde va dire « Ah tiens, c'est Legolas et le shérif Hopper de Stranger Things !» C'est tout. Et au milieu, il y a un mec, c'est tout. Voilà. Non, je suis mauvaise langue, mais voilà. Une fois que vous avez vu ça, vous ne voyez que ça. Voilà. Et... on va passer à la partie de mon avis, parce que je sens que je ne vais pas pouvoir dire grand-chose en mode histoire. Sachez juste que ce n'est pas une adaptation des jeux, mais une adaptation du coup de ce contexte mis en place par Sony et Nissan. Alors, si vous m'avez vu dans la partie précédente un petit peu gêné, hein, ce que j'aurais aimé vous en dire un peu plus, c'est normal. C'est parce que, quelle idée de faire l'adaptation au cinéma d'un contexte qui n'a pas été une franche réussite de la part de Sony et Polyphony Digital. Parce que, dans la vraie vie, techniquement, Ian Mardenborough existe, la GT Academy a existé, mais on va pas se mentir, le mec est juste devenu pilote de GT. Un de plus. Je me suis un peu renseigné après la sortie du ciné, quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu regarder un peu la biographie du bonhomme. Oui, il a fait une saison en Toyota Racing Series. La saison suivante, Lance Stroll devenait champion de Toyota Racing Series. Si comme moi, vous n'en avez rien à faire du Toyota Racing Series, mettez-le en commentaire, je n'ai rien à faire du Toyota Racing Series. Parce que, on va pas se mentir, le pauvre Ian Mardenborough, en fait... c'est cool pour lui, hein. Il est devenu, du coup, pilote professionnel. Mais le film prend place à notre époque, c'est-à-dire en 2022-2023, à quelque chose près. Je suppose que la pré-prod a dû commencer en 2022, donc on va dire que l'histoire du film pourrait se passer en 2023. Parce qu'on montre bien des PS5, hein, donc oui, je pense que c'est bien à notre époque. Sauf que le problème, c'est que la GT Academy, c'était pendant l'époque PS3, pas pendant l'époque PS5. Et c'était pendant l'époque Gran Turismo 5. Je dois l'avoir dans les... Voilà, je l'ai. C'est-à-dire que on nous vend un film où concrètement les épreuves de Gran Turismo se passent sur ça. Sauf que non, ça marche pas, c'est sur celui-là. Donc déjà, il y a un gros problème anachronique. Ça marche pas. Parce que... attendez, je reprends mes boîtes. Hein. À l'époque de Gran Turismo 5, il n'y avait pas beaucoup de jeux de sim racing.
Forza Motorsport était une des rares références qui pouvait tenir la dragée haute. R Factor était assez obscur, ou en tout cas c'était pour un noyau de petits noyaux de personnes. Assetto Corsa n'existait pas, R Factor 2 n'existait pas, voire même R Factor n'existait pas. iRacing existait, mais c'était ultra confidentiel. Donc la seule référence qu'on pouvait avoir grand public, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a marqué The Real Driving Simulator. Bon, c'est toujours la tagline sur le set, hein, mais c'est pas le souci. Sauf que, comme l'histoire du film se passe à notre époque, et avec ceci, alors oui, c'est la version PS4, mais techniquement, c'est sur la version PS5 que le film nous le vend, hein, techniquement, et ben, il y a un petit problème d'anachronique, c'est-à-dire que, si comme moi, vous connaissez un petit peu le sim racing, le sport automobile et potentiellement Gran Turismo, vous savez que la concurrence est quand même sacrément rude. J'en ai déjà fait des vidéos sur les jeux de course notamment, et concrètement, et ben, avec justement la concurrence d'iRacing, d'Assetto Corsa et de Competition, de R Factor 2, de Project Cars justement, ben en fait, Gran Turismo lui-même n'est pas forcément la meilleure simulation automobile. Donc, ça avait du sens il y a 10 ans. Le faire maintenant, à notre époque, ça marche pas. Donc déjà, c'est un gros point faible du film. C'est d'essayer de vendre Gran Turismo comme étant la référence ultime, alors qu'on sait très bien que dans la réalité, la plupart des pilotes font ça sur Assetto Corsa ou sur iRacing. Hein. Je veux dire, Max Verstappen, champion du monde de Formule 1, s'amuse énormément sur iRacing avec son pote Lando Norris, là où d'autres comme la FFSA par exemple, ou la CO, vont avoir un simulateur sur Assetto Corsa. Donc, déjà, ça marche pas. Si vous êtes connaisseur de sport auto et de sim racing, déjà, ça marche pas. Je suis désolé, moi, il y a un truc qui... Ah. Je vais devoir ressortir une phrase de Karim Debbache, de Mea ou de Durandal, je ne sais plus. Un truc qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. Ou suspension of disbelief, si vous préférez. J'ai plus le terme anglais exact, mais voilà. Ma suspension consentie d'incrédulité, je crois qu'elle s'est barrée dès le premier virage, en fait. Hein. C'est rendez-vous au premier virage et rendez-vous au premier au revoir. Hein. Concrètement, là, salut, salut mon pote. Voilà, c'est... Donc, ce qui fait que ça marche pas. Concrètement, il y a un problème au niveau du film, ça marche pas. Premier défaut. Deuxième défaut. Alors, si comment vous êtes passionné de sport automobile, de jeux vidéo et potentiellement aussi de... Du coup, hein, encore une fois, je prends mes jeux. Cela, si comment vous connaissez un petit peu la saga Gran Turismo, c'est-à-dire tout ça. Ah, excusez-moi, voilà. Concrètement, vous connaissez ce qu'on appelle les circuits, les tracés de qui composent même hein, de la saga Gran Turismo, des circuits mythiques. Hein, je veux dire. Si vous prenez par exemple ne serait-ce que le premier, techniquement, on avait par exemple. Je sais pas, des circuits comme High Speed Ring, Trial Mountain, Deep Forest, Grand Palais Speedway, qui ça sont des circuits fictifs. On a eu après, par la suite, avec notamment Gran Turismo 2, on a eu l'arrivée de circuits réels, comme notamment le Pikes Peak. Enfin, on a eu un morceau du Pikes Peak. À partir de Gran Turismo 3, on a eu notamment le circuit de Monaco, renommé Côte d'Azur. Et à partir du 4, on a quand même eu aussi des circuits un peu plus réels, comme notamment le circuit du Mans, la Nordschleife, ou potentiellement Suzuka. Et je crois qu'à partir du 5, me semble-t-il qu'on a eu du coup le Nürburgring GP, ainsi que Spa-Francorchamps, je dis peut-être une bêtise là-dessus, vous me reprendrez dans les commentaires. Donc, techniquement, on a eu, au fur et à mesure de la saga Gran Turismo, des circuits réels. Donc on les connaît, les circuits réels. Sauf que, problème, à qui s'adresse le film? Le film passe son temps à montrer des personnages qui disent « Ouais, j'ai passé des heures et des heures à rouler sur le jeu, je connais ce circuit par cœur !» Sauf que quand le film nous montre un bout de circuit fictif, qui n'existe pas, hein, comme une chimère potentiellement, alors que le circuit est censé être mythique, quel est le public du film? Parce que visiblement, pas les fans de Gran Turismo, pas les fans de jeux de course, et pas les fans de sport automobile. Comment dire? Il y a un petit problème, les gars, c'est que votre film, techniquement, il est sorti quelques jours après le Grand Prix de Formule 1 2023 de Hongrie, et que vous utilisez le circuit de Hongrie pour faire quasiment toutes vos prises de vue. Ça marche pas, parce qu'on voit la supercherie, du coup. C'est-à-dire que les fans de sport auto et les fans du jeu Gran Turismo déjà savent que le Grand Prix de Hongrie n'est pas présent dans Gran Turismo. Le circuit de Hungaroring n'existe pas dans les jeux Gran Turismo, en tout cas, pas à ma connaissance, peut-être en version modée, hein. Je sais qu'il existe des jeux modés, donc pourquoi pas. Mais... ça marche pas.
concrètement, ça marche pas. Donc, puis je vais vous mettre des capteurs d'écran pour bien vous montrer qu'il y a un petit problème, que ça correspond pas. Donc, bah, je suis désolé, mais moi, déjà, ça me pose problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ça n'enlève pas le fait que tu peux quand même regarder le film et tout, etc. Oui, sauf que, quand on vous explique que vous pouvez avoir votre licence FIA juste en gagnant 2-3 courses, etc., les gars, vous avez confondu avec la super licence, parce que la licence FIA, techniquement, si vous êtes pilote, vous l'avez déjà, votre licence FIA. Hein, je suis pas méga connaisseur, mais normalement, désolé, je me contredis, mais normalement, votre licence FIA, vous devez l'avoir si vous êtes pilote automobile. Vous avez votre licence nationale, et peut-être aussi votre licence internationale, donc celle de la FIA, si vous devez participer sur plusieurs continents, admettons. Sauf que là, ils ont dû confondre la super licence, qui est donc le permis Formule 1, si vous préférez, avec une pseudo-licence FIA. Déjà, ça me pose un petit problème, du coup. Parce que, du coup, alors, c'est quoi comme championnat? Parce que, visiblement, le mec, il roule sur le Red Bull Ring, il roule sur le Nürburgring Nordschleife GP, il roule sur certains circuits, et tu te dis, mais c'est quoi comme championnat, en fait? Même dans notre réalité, ça marche pas comme ça. Et surtout, vers la fin du film, on nous montre des voitures qui n'existent pas dans Gran Turismo, déjà d'une. Bon, admettons, c'est peut-être exclusif au film. Admettons, pourquoi pas. Mais on va pas se mentir. Un prototype Nissan avec marqué Ligier dessus. Non, mais ça s'appelle une LMP3, les gars. À un moment donné, faut peut-être arrêter de jouer aux imbéciles. Je peux comprendre qu'Alpine soit présent en LMP2, admettons, parce que dans le contexte, oui, l'hypercar est en préparation, la fameuse A424. Je sais très bien que les gens qui vont regarder cette critique de film bien après 2023 vont se dire « Ah putain, la vidéo est datée, je sais Mais techniquement là, plein de choses dans le film ne collent pas en fait. À ce moment-là, n'aurait-il pas été plus logique de faire l'adaptation, je pense, de Yann Bardenborough et pas de la Gran Turismo Academy? N'aurait-il pas été plus logique que le film soit produit par Sony Columbia et qu'on retrace, du coup, uniquement la vie de Yann Bardenborough? Parce qu'on évoque des choses comme notamment le fait qu'il ait fait un petit peu de karting ou ce genre de trucs, mais c'est pas montré, parce que ça ne correspond pas à la GT Academy ou au projet lancé de la GT Academy. On se concentre beaucoup plus sur ce projet-là que sur Yann Bardenborough. N'aurait-il pas été plus logique de créer une histoire basée sur une histoire réelle en se basant sur Yann Bardenborough plutôt que de se baser sur la GT Academy? Je veux dire, ça aurait été plus logique. Donc, moi, ça me pose un petit problème de ce côté-là. Parce que du coup, on sent qu'il y a la limitation de Gran Turismo. Mais c'est pas comme si Sony et Columbia pouvaient faire des films. Pourquoi devoir à tout prix se baser sur Gran Turismo, sachant que c'est pas une adaptation de Gran Turismo? Donc, ça me dérange un peu. Et surtout, tout dans le film montre ce putain de logo de Gran Turismo. Pourquoi la fiche du film, elle n'a pas le même logo? Je chipote peut-être pour pas grand-chose, mais là, j'aurais bien aimé avoir ce logo-là. Alors, juste, on va conclure du coup cette vidéo sur, notamment, ce que j'aurais aimé voir. Parce que, c'est pas grand-chose, mais pour le coup, il suffit que ma vidéo tombe malheureusement, ou pas, plutôt heureusement, dans les mains de quelqu'un qui peut faire remonter ça. J'en sais rien, mais honnêtement, juste, un film Gran Turismo avec une histoire originale, c'est totalement possible, en réalité. Au lieu de se baser sur un contexte autour de la licence et qui en fait a été quand même un échec, on va pas se mentir, ça n'a pas été une réussite. Je veux dire, même les Gran Turismo World Championship sur PS4 ont été un peu plus une réussite, notamment avec la victoire d'Igor Fraga et pas que, mais bon. Mais là, il y avait moyen en fait. Si vous prenez par exemple dès le premier jeu, on vous présente du coup les permis, la Sunday Cup, la Clubman Cup, le fait d'acheter des voitures d'occasion, qui est quand même, je rappelle, la mécanique des voitures d'occasion est une mécanique parce que le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, est fan de voitures d'occasion. D'où le fait que ce soit présent dans le jeu. Il est fan de voitures d'occasion. Donc du coup, bah, rien que ça, je vous ai cité 4 mécaniques qui pouvaient servir de point de départ. Ensuite, nous avons dans la saga, bien évidemment. Alors, je vais essayer d'y aller petit à petit. Je vais enlever celui-là parce qu'il sert pas à grand-chose. On va prendre ces deux-là. Cela possède aussi pas mal de championnats, pas mal de nouvelles voitures secrètes, des voitures emblématiques, des voitures qui clairement, alors quand je dis voitures secrètes, ça peut être la pseudo monoplace Formule 1, il y en a plusieurs dans Gran Turismo 3, il y en a un autre modèle ici présent dans le 4, les Scudo notamment aussi, qui est une voiture à débloquer, et plusieurs championnats qui clairement sont présents. Donc,
concrètement, et sachant que là-dedans, il y a un petit peu plus de voitures connues, et je me dis que faire un scénario en 3 actes, en utilisant même le monomythe, hein, soyons fous, aurait été fun. Concrètement, imaginons que, potentiellement, je sais pas, un gamin aurait perdu, son père, potentiellement parce que son père était une gloire du championnat du monde de Gran Turismo, et que, potentiellement, sa mère a essayé de le protéger, mais il suffit qu'un vieux monsieur qui, finalement, pourrait être un ami de la famille, pourrait le prendre sous son aile, l'entraîner, le performer, faire les petites courses du dimanche, la fameuse Sunday Cup, et potentiellement faire sa petite renommée. Alors ça fait un petit peu Rocky Balboa dit comme ça, mais pourtant ça pourrait fonctionner. Et au fur et à mesure, on passerait les permis, du coup, on pourrait aller au centre auto, le GT auto, comme nous on aurait feu vert au Nord auto, ou je sais pas quel centre auto possible, par exemple, Vito, pas sponsorisé, hein, je précise. Donc on pourrait intégrer des choses de Gran Turismo, sachant qu'en plus avec Gran Turismo 7, on nous intègre le Gran Turismo Café, avec de nouveaux personnages, donc... C'est pas une idée saugrenue, hein, d'une certaine manière. Et bien en fait, créer une histoire à partir de ça, et avec comme retournement de situation que en fait, ce vieux monsieur, ça pourrait être son père qui n'était pas mort, mec. Ouais, j'en fais peut-être un peu. On peut créer une histoire à partir donc de tous les jeux que j'ai pu citer au préalable, et encore il m'en manque. On pourrait clairement créer une histoire en partant de zéro, réellement. Je me dis que j'aurais pas été contre en réalité, et je me dis que. Pour le réalisateur, alors le réalisateur c'est Neil Blomkamp. Si le nom ne vous dit rien, le mec a quand même fait District 9 il y a plus de 10 ans de ça, pratiquement 15. Un film sur la ségrégation raciale en Afrique du Sud, sauf qu'au lieu que ce soit des blancs contre des noirs, c'est des êtres humains contre des aliens. Et encore, là je vous résume le truc très vite fait, c'est un peu plus profond que ça. J'avais vu le film, j'ai trouvé ça assez... Enfin, oui, clairement, il y avait de la matière à réfléchir, et surtout... c'était un petit peu plus profond que ça, parce que je vais pas vous spoiler le film, je vous laisserai découvrir le film. Et concrètement, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir faire justement des films. Alors, il a aussi fait Chappie, je crois, mais ne l'ayant pas vu, donc je vais me baser que sur District 9 et sur Gran Turismo. C'est quelqu'un qui, clairement, veut expliquer cette revanche de ce que j'ai pu comprendre, de l'être humain sur d'autres personnes, ou en tout cas des gens qui vont vraiment s'en sortir, mais à qui on met que des bâtons dans les roues sans arrêt, mais qui potentiellement, à force de quelque chose, vont y arriver. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Après, libre à vous, peut-être si vous connaissez mieux la filmographie de Neil Blomkamp, de me contredire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire, parce que là, pour le coup, je connais pas bien sa filmographie. Là, je vais juste me baser sur ce que j'ai vu de Chappie de District 9 et de Gran Turismo. Sauf que je pense qu'il aurait été plus sympa, je pense, à la fois pour Sony et aussi pour Neil Blomkamp, d'avoir un scénario original. Pourquoi se baser sur la GT Academy ? Je veux dire, c'est pas foncièrement la meilleure réussite de Sony, en fait, en la matière. Réellement, je comprends pas vraiment pourquoi cette compétition, pourquoi cet événement-là, plus qu'autre chose. Donc, je pense que créer une histoire originale n'aurait peut-être pas été du luxe. Quand on voit, par exemple, d'autres adaptations... Alors, je vais pas parler des adaptations comme Tomb Raider ou comme Mario, ça n'aurait pas de sens. Mais je vais prendre Tetris. Tetris, ils ont pris un contexte historique qui est lié au jeu sur Game Boy. Est-ce que je l'ai là, Tetris, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Non, je ne l'ai plus, je sais plus où il est. Oui, j'ai toujours mes cartouches Game Boy, mais je sais pas où est Tetris. Ok, d'accord, je sais. Et je vais prendre le cas, par exemple, de Sonic. Sonic est une réécriture de la licence Sonic, mais réadaptée pour le cinéma. Pourquoi pas, admettons. En même temps, le problème, c'est qu'entre ce qu'on perçoit des jeux Mega Drive, ce qu'on perçoit des jeux Dreamcast, ce qu'on perçoit de Sonic X, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans le détail. Punky va certainement déjà faire tout un tas de vidéos là-dessus. Donc, pour Gran Turismo, il y avait moyen de faire quelque chose qui, pour le coup, soit peut-être un tout petit peu plus travaillé ou avec moins d'incohérence. Parce que visiblement, à qui s'adresse le film ? Et je conclurai là-dessus, à qui s'adresse le film ? Visiblement, pas aux fans de Gran Turismo, parce qu'ils connaissent bien les circuits, les voitures et tout le contexte, et ça correspond pas. Surtout que le film passe son temps à dire « Ouais, je connais bien le truc, je l'ai fait pendant des heures !» Bah oui, mais alors pourquoi ça correspond pas ? De deux, pas aux fans de sport auto, parce que eux aussi connaissent les circuits, les bagnoles et les compétitions, donc du coup, ça marche pas. Et de trois, est-ce que ça s'adresse au grand public ? Un petit peu plus mitigé sur celle-là. Je dirais oui, mais alors vous le voyez une fois et pas plus. Parce que j'ai été loin avec quelqu'un qui à la base n'est pas fan de sport auto. On est sorti de la salle. Oui, c'était un film cool.
enfin, agréable, beaucoup plus agréable que The Flash, bien évidemment, mais, bah, tu le vois une fois et c'est tout, en fait. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un Colombin, c'est pas non plus un gros caca purulent, mais c'est pas une catastrophe. Mais tu le vois une fois, quoi, c'est pas... Je viens, par rapport à d'autres films comme Mario, où je serais capable de le voir plusieurs fois, même Tetris, je suis capable de le voir plusieurs fois, ou d'autres films adaptés de jeux vidéo, je veux dire, même Need for Speed, le film, alors, s'est pris des sauts de merde dans la gueule, alors qu'en fait, tu pouvais pas faire plus fidèle à la licence Need for Speed. J'en ferai une vidéo un jour sur Need for Speed, parce que ce film se fait dégommer, alors qu'en fait, il n'y a pas plus fidèlement réussi que ce film. Surtout, vu la brochette de Star qui est dedans, tu te dis, mais... Bah, en fait, c'est l'une des meilleures adaptations que j'ai pu voir de ma vie. En tout cas, ça m'a paru plus réussi que le film Gran Turismo. Et ça me prend un peu moins pour un con. Et justement, c'est ça le truc. Need for Speed a déjà ses propres modes d'histoire, et ils sont partis sur une histoire à peu près originale. Même si elle pioche à droite et à gauche. Enfin, on en parlera un jour. Donc, en bref, ouais, vous le voyez une fois, et... Pourquoi pas? Ça fait le temps d'une soirée, ça peut faire la blague. C'est pas une catastrophe, honnêtement. Mais ça va pas être le film de l'année, quoi. Donc, adaptation mitigée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi, comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ou clairement ce que vous avez, votre avis sur Gran Turismo, sur le film, sur le jeu, enfin, ce que vous voulez, je me ferai un plaisir de vous y répondre, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien, salut !